Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tout. C'est le lieu de final. Reprends-nous et demain. Si on a demandé à Lucio de venir, c'est pas du tout en tant qu'historien et c'est pas du tout en tant que théoricien et tout ça, c'est en tant que praticien de l'action, entre un praticien au quotidien de ce qu'est effectivement la pensée libertaire, la mise en œuvre de ce à quoi nous sommes attachés. Et je vais pas faire beaucoup plus long, je vais lui laisser la parole et on va essayer de faire que cette réunion soit la plus interactive possible et la plus vivante possible. Lucio, à toi. Bon. Bah oui. Alors après, on peut le faire soit sous forme de questions-réponses, soit... Oui. Bon, alors je ne sais pas comment commencer. Bon, déjà, comme vous pouvez voir, même ma façon de m'asseoir est différente d'un enseignant ou d'un intellectuel. Mais je crois que c'est ça justement qui m'a donné qui me donne la facilité d'être. Et pour exemple, dans le quartier où je suis, à la rue des Cascades, dans le 20e, il y a les mômes de toutes les nationalités qui me respectent beaucoup. Les copains qui étaient là-bas il y a une semaine ou il y a 10 jours, ils sont plus le voir. Mais c'est des gens qui sont tous marginaux. Marginaux parce que c'est eux qui sont coupés. C'est eux qui sont coupés, ils n'en veulent pas entendre parler de notre civilisation, on peut dire. Bon, moi, ils me respectent. Pourquoi ils me respectent? Est-ce que c'est parce qu'ils savent, même ma façon de marcher, ma façon d'être et de m'asseoir, ils savent que je suis un travailleur. Mais quand ils m'entendent parler, je crois qu'ils pensent à leurs parents qui sont été que des exploités, des esclaves. Et là, bon, je peux me permettre d'être leur ami et eux, ils sont mes amis. Bon, je veux dire, la pauvreté, quand je leur dis la pauvreté, bon, pour moi, la pauvreté, ça a été ma vie. La chance que j'ai eue dans ma vie, ça a été d'être né très, très pauvre. Très, très pauvre parce que, par ma situation sociale, je n'ai pas eu d'effort à faire pour perdre le respect à tout ce qu'il y avait d'établi, à la propriété privée, à l'État et à la religion. Et je voudrais que les gens, justement, et comme je leur dis, mais c'est très difficile avec eux, parce que, bon, il n'y a pas, moi, il m'a manqué beaucoup la culture, l'éducation, il m'a manqué, il me manque toujours. Ce que j'ai appris, je l'ai appris, bon, au contact, parce que ma vie, comme je disais tout à l'heure, ma vie, elle ne m'appartient pas. Ma vie, elle appartient à beaucoup de milliers d'anarchistes, qui m'ont consacré leur temps, et par mon tempérament, ça a été. Alors, mais la pauvreté, comme je leur dis à ces mômes du quartier, je leur dis, la pauvreté, ça peut être qu'un stimule. Ça peut être un stimule, et surtout dans des pays comme la France, où on a, sauf quand on est vieux et malade, mais sans ça, on a tout. On a tout pour s'épanouir. Mon épanouissement, comme je vous dis, enfin, j'ai eu la chance d'être né dans des conditions très, très défavorables. Pour exemple, j'étais gosse et j'allais chercher du pain et on ne me donnait pas du pain parce que ma mère n'avait pas payé. Alors, et la boulangère, elle me le disait devant tout le monde. Elle disait, mais ta mère ne m'a pas payé. Moi, je rentrais à la maison en pleurant parce que c'était, non seulement j'avais pas du pain, mais la honte. Mais la chose qui m'a marqué le plus, c'était pour aller des espadrilles, c'était la même chose. Mais c'est que j'avais un père, et là, l'autre jour, je suis allé voir le médecin, et toutes ces choses-là qu'on a en France, il faut les défendre. Il faut sortir dans les rues. La sécurité sociale, il faut la défendre en France. Sans ça, vous que vous êtes jeunes tous, dans 30 ans, il n'y aura plus de sécurité sociale. Et je vais vous dire comment ça s'est passé. C'est la chose qui m'a marqué le plus dans ma vie, c'était mon père. Mon père, il avait le cancer et il souffrait beaucoup.
Il avait tellement de douleurs qu'il me disait, mon fils, même pas mes ennemis, il voulait dire, même pas aux fascistes, je leur souhaite ça. Si tu as des couilles, il me disait, tue ton père si tu l'aimes. Et c'était horrible, horrible. C'est la chose qui m'a marqué le plus dans ma vie, à tel point que, par sa souffrance, un jour, elle m'a dit qu'il fallait un peu d'argent pour la morphine. Parce qu'aujourd'hui, en France, on a toutes ces choses de sécurité sociale. Quand j'y vais, par exemple, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand j'y vais voir le médecin, il me donne tout ce qu'il me donne. J'ai dit, putain, et mon pauvre père qui n'a pas pu avoir ça et qu'il est mort. Alors mon père, il m'a demandé de chercher un peu d'argent chez un oncle. L'oncle, il ne m'a pas donné l'argent. Mais je savais où il y avait, j'avais 16 ans ou 15 ans, je savais où il y avait une petite banque. Et à travers la vitre, j'avais vu les piles d'argent. Et j'ai pris un couteau à cran d'arrêt et suis allé, vous vous rendez compte, suis allé pour tuer la banquière et pour prendre l'argent pour que mon père aille de la morphine. Et quand je vois, par exemple, j'aurais fait ça, deux tentatives j'ai eu et deux tentatives j'ai échoué. Quand on est dans des conditions pareilles, je pense, par exemple, ces kamikazes, ces mômes, dans quel état il doit y être des kamikazes qui mettent une ceinture de bombes et se font exploser. Dans quel état il doit être tous ces sortes de mômes. Eh bien, moi, c'était une espèce de kamikaze dans ce domaine, parce que j'aurais fait ça, j'aurais tué la banquière, et 24 heures, enfin, 2 heures après, j'aurais été arrêté, c'était la ruine complètement. Je suis né dans des conditions pareilles, très, très, très difficiles, mais comme j'ai dit, très, très favorables à mon épanouissement. J'ai voulu m'en aller d'Espagne, et je suis rentré dans le Marquès de Comillas, en transatlantique, à Bilbao, ils m'ont sorti. Et la première fois que je suis allé de Bilbao à Saint-Sébastien, j'ai passé la frontière et à 16 ou 17 ans, la gendarmerie m'a retourné pour être enfermé à Vera de Bidasoa. J'ai passé plusieurs semaines là-bas à Vera de Bidasoa, alors que j'étais en gosse, et ensuite à Pampelune. À Pampelune, déjà, j'ai commencé à manger, mais c'était la mauvaise réputation. J'ai essayé d'aller au service militaire, mais c'était comme j'ai travaillé beaucoup à la contrebande, à la frontière, à Saint-Jean-de-Pied-de-Port, à Roncevaux et tout ça. Je connaissais, pour nous, enfin, aller passer, venir en France à cette époque, c'était un privilège déjà, parce que la France, elle avait 50 ans d'avance par rapport à l'Espagne. À tel point, enfin, j'étais à la frontière, j'ai pas pensé à porter un bouquin où on voit la maison de mon frère, la Petite Rivière, et de l'autre côté la gendarmerie, enfin, il n'y avait que la garde civile d'un côté, et de l'autre côté, bon, la rivière, c'est ce qui faisait la séparation des... Alors, quand on traversait la frontière, on voyait les richesses en France, et surtout une chose qui m'avait choqué beaucoup, la contrebande à cette époque, c'était le café, les tissus, le tabac de France en Espagne, les pièces d'automobile, toutes ces choses-là. Et d'Espagne, surtout, ce qu'on traversait, c'était l'alcool, toujours l'alcool. Alors, la richesse à cette époque, et la tentation qu'on avait de venir, comme je vous disais, 50 ans d'avance avec la France par rapport à l'Espagne, et les bicyclettes, par exemple, c'était partout. On prenait les bicyclettes et on allait dans les villages pour s'amuser. Et on venait, on laissait les bicyclettes, elles n'étaient même pas attachées. Alors dans ces domaines, on n'a pas avancé non plus, on a reculé. Une autre chose, dans le domaine, cet après-midi, quelqu'un est venu me voir. Et c'est ce que je disais, dans certains domaines, on a avancé, mais dans d'autres, on n'a pas avancé du tout. Par exemple, il y a un siècle, on avait prévu les coopératives. Les coopératives aujourd'hui, il y a que celle de Mondragon qui marche très très bien. C'est la seule au monde, on peut dire. Mais c'est une coopérative qui est gérée par les jésuites. Bon, on avait prévu l'autogestion. L'autogestion, c'était l'anarcho-syndicalisme, c'était la responsabilité des individus. L'anarcho-syndicalisme et la CGT à l'époque, article 1er de la CGT, l'abolition du salariat, c'était toutes ces choses-là. On n'a pas progressé, mais on n'a pas progressé parce qu'on s'est endormi, tout le monde. Et on va
Moi, je vous le dis, vous êtes jeune, tout le monde. Il faut pas, il y a des choses qu'on peut pas, on peut pas faire cadeau. C'est cette histoire de sécurité sociale. Cette histoire de sécurité sociale, c'est la pauvreté la plus totale si on abandonne la sécurité sociale. En plus, la France, au lieu de dépenser l'argent dans des conneries, qui le dépense dans les écoles et dans des choses qui sont utiles. Alors, donc, je suis allé au service militaire et j'étais désespéré par la mauvaise réputation, la pauvreté, toute la misère qu'on avait. Et au service militaire, j'ai eu la chance de tomber parce que quelqu'un, enfin un officier, il a été compréhensible, il m'a mis dans le restaurant. Je me suis fait très très ami avec les gens du magasin et on a dévalisé le magasin des horloges, de tout ce qu'il y avait de précieux là-bas. Mais on m'a donné un peu de permission et je savais qu'on me cherchait. Alors c'est là que j'ai passé la frontière. J'ai traversé la frontière, comme bon, j'étais là-bas à la contrebande, tout ça. Et suis venu et comme tout le monde, j'ai travaillé au black, sans déclarer. J'ai gagné ma vie, j'ai envoyé de l'argent à ma mère, c'était un plaisir, c'était extraordinaire. Tout en travaillant, comme on peut... Moi, ça me fait penser, par exemple, les Maliens qui travaillent, comment ils font vivre parfois des villages entiers avec l'argent qu'ils envoient de France là-bas au Mali, alors que nous, on jette tout. Bon, enfin. Et alors, donc, je suis traversé la frontière, j'ai commencé à travailler au black, et un bonjour, le maire de Marne-la-Coquette m'a fait un contrat. Et j'ai commencé à travailler dans le bâtiment, et je suis tombé avec un groupe de Catalans anarchistes. Et quand ils m'ont demandé de quelle région tu es, alors j'ai dit, je suis de la Navarre. Il dit, ah bon, enfin basque, oui. Il dit, bon, on sait que les Basques sont très catholiques. On sait, surtout la région où je suis, sont très, très conservateurs. Et bon, et alors on m'a charrié un petit peu, puis résultat, on s'est fâché un peu. Et pendant 2 mois, ils n'avaient pas confiance en moi. Alors, au bout de 2 mois, on m'a réclamé pour travailler avec eux. Et alors, du casse-croûte, parce que là, il n'y a pas de casse-croûte dans le bâtiment, mais à l'époque, on cassait la croûte vers 9h du matin. Alors, on m'a demandé, mais toi, quelles sont tes opinions? Alors, j'ai dit, je suis communiste. Parce qu'à l'époque, Franco, il parlait que du communisme. Alors, ils ont rigolé, puis ils ont dit, qu'est-ce que tu veux être communiste? Tu es anarchiste, bon. Ils m'ont expliqué les expériences de la CNT, les expériences de Durruti, les expériences de l'histoire espagnole, l'histoire, comme je disais, c'est les socialistes, c'est les anarchistes, mais particulièrement les anarchistes. S'il n'y aurait pas eu sans le mouvement anarchiste, Franco n'avait pas besoin de sortir dans la rue. Mais il y avait presque 2 millions d'anarchistes, ils voulaient transformer la société, à tel point que c'est eux qui sont désarmés, qu'ils soient à Barcelone, qu'ils soient à Madrid, qu'ils soient partout, c'est eux qui sont désarmés, l'armée. Brûler des églises, effectivement, parce que, par exemple, en Catalogne, l'église, elle a été toujours du côté des riches. Et chez nous, alors donc, il y avait des curés tués, ça, il ne faut pas le nier. Mais chez nous, par exemple, dans le Pays Basque, l'église, elle était plus réactionnaire encore. Et nous, on était minoritaires dans le Pays Basque, très, très conservateurs. Et l'église, enfin, j'ai vu, il était tout gauche, et je m'en souviens, les curés, comment ils s'étaient habillés en militaire avec leur revolver. C'était horrible. L'église, elle a été aussi criminelle que les fascistes et que les carlistes chez nous. Et donc, ils m'expliquaient tous ces phénomènes de la CNT, des anarcho-syndicalistes, comment ils sont ouverts, c'est ce que je vous disais. Bon, par exemple, les anars, ils ont téléphoné au premier ministre, à Largo Caballero, ils ont dit, bon, on vous donne 3 heures pour ouvrir les prisons. Si vous n'ouvrez pas les prisons dans les 3 heures, on les ouvre nous-mêmes. Alors, et 3 heures après, les prisons, elles s'étaient ouvertes. Tout le monde était dans la rue. Et ça, c'est unique. L'économie espagnole, elle s'est mise en Catalogne, en Valence, enfin en Andalousie, partout. Les anarchistes, ils l'ont mis en fonctionnement, chose que ni à Cuba ni en Russie l'ont fait fonctionner. Là, les anars, c'est pour dire la préparation qu'ils avaient, ces gens-là. La préparation et le corps. J'ai eu la chance de connaître beaucoup d'anars, des vieux anarchistes, et c'est vraiment que c'était du cœur, c'était un idéal. Vous imaginez ce que sont ces hommes-là qui sont...
Parce que la France, le Front populaire, elle a trahi ces gens-là. La France populaire en France a été dégueulasse avec la Révolution espagnole, avec la République espagnole. Qu'ils soient socialistes et qu'ils soient communistes, ils sont dégueulasses et on les a ici. On les a ici, ça ne passe pas, le comportement. Quand par exemple, Léon Blum, dans les camps, il pleurait, il disait « je me suis mal comporté », mais c'était trop tard. Il leur disait aux Espagnols « je me suis comporté très mal ». Dans les conditions qui sont reçues, les presque 600 000 Espagnols dans les camps d'extermination, à tel point qu'un type comme Ibarnigarey, dans le camp de Gourche, du côté de Pau, là, il ne voulait même pas, c'est Ibarnigarey, il ne voulait pas que les Basques soient, les républicains basques soient mélangés avec les autres, parce que, bon, pour lui, en tant que Basque, on ne pouvait pas mélanger les Basques républicains avec les Catalans et tout ça, parce que, bon. Et il disait, Ibarnigarey, il disait, ça coûte très très cher les républicains espagnols. Il faudrait les mettre dans des bateaux et les amener dans les îles. Mais si le bateau n'arrive pas, tant mieux. C'était Ibarnigarey, enfin. Ça, là, je vous dis, la France, elle n'est pas pardonnable dans cette époque. Mais le plus extraordinaire, c'est que quand on voit, par exemple, les Américains aujourd'hui, en ce qui concerne les Mexicains ou les Colombiens, qu'on leur propose, vous voulez des papiers, mais il faut que vous alliez en Irak ou ailleurs. Eh bien, c'est ce qu'elle faisait la France avec les républicains espagnols. C'est ce qu'elle a fait. Vous voulez sortir, oui, mais vous allez vous engager dans la Légion étrangère. Et c'est comme ça, la Légion étrangère, c'est le général Leclerc qui a créé la deuxième DB, la deuxième division blindée. Hein? Oui. Alors c'est le général Leclerc qui a, avec des républicains, bon, parce que il faut. Moi je vous dis tout ce que j'ai dit, j'aime ces pays. Et si je le critique, comme j'ai dit, par exemple, la région où je suis, c'est une région très conservatrice, c'est très à droite, c'est très fasciste, mais je l'aime. Eh bien, la France, je l'aime, c'est mon pays. Mais je veux qu'il soit beaucoup mieux encore. Et en plus, enfin, il n'y a pas de raison qu'on fasse des cadeaux à tous ces salopards qui sont trahis et qui sont vendus la France. Parce qu'ils l'ont vendue à l'époque, tous les politicards. Et alors, donc, je suis atterri avec tous ces amis anarchistes. Et j'ai commencé, alors, ils ont commencé à m'apporter des journaux. La Soli et la Sente. Oui, alors je leur ai dit, mais je voudrais apprendre le français, je voudrais apprendre un métier. Alors ils m'ont dit, tu peux aller 24 rue de Santa Marta, mais je ne suis pas anarchiste, je leur disais, mais ça ne fait rien, tu vas là-bas. Je suis allé là-bas, et à cette époque, la CNT, on s'est mélangés tous. Tous les métiers étaient mélangés, mais surtout, il y avait une chose qui m'a donné mon courage, c'est que j'ai connu tous ces sorts de, par exemple, André Breton, Albert Camus, tous ces sorts, Daniel Guérin, tous ces sorts d'intellectuels, pour moi, on finissait tous les vendredis, comme aujourd'hui, on faisait des conférences. On faisait des conférences et on finissait au dernier métro à Belleville. Et pour moi, c'était miraculeux connaître ces gens-là, un type comme Albert Camus. Enfin, c'est extraordinaire. André Breton, Daniel Guérin, la mère de Michel del Castillo, bon, tous ces sorts de monde. Oui, tous ces sorts de monde, pour moi, je n'avais jamais vu. J'étais, bon, et pour moi, c'était la lumière qui venait vers moi. Et un jour, un vendredi, bon, quelqu'un nommé qui vit encore, Germinal Garcia, qui travaillait dans Le Monde, il m'a dit, on sait que tu as un appartement, est-ce que tu pourrais héberger un copain? J'ai dit, oui, si c'est un révolutionnaire, si ce n'est pas un révolutionnaire touriste. Alors il m'a dit, non, c'est quelqu'un qui mérite. Et alors, donc, rendez-vous le lendemain à Saint-Germain-des-Prés. On s'est donné rendez-vous et j'ai connu, enfin, il y avait Germinal, son frère Floréal et deux autres. Et on est allé dans le 16e, on a pris un taxi, on est allé les 5, on est allé dans le 16e arrondissement pour manger.